Ouais, je suis sûr que Kali sera enchanté de me rencontrer. On ne peut pas lui en vouloir. Alors, prêt à y aller, grand... Sky machin? Ouais, cette Kali me mangera dans la main dans la minute. Et qui peut lui en vouloir? Regarde-moi. Boum! Tu as vu comment j'ai fait ça? Il faut des années d'entraînement et du talent! Incroyable, hein? Tu me remercieras plus tard. Bon, je crois qu'il faut qu'on trouve cette Kali rapidement. On ne peut pas priver cette demoiselle plus longtemps de ma présence. Je pars en reconnaissance là-haut. Essaie de la trouver au sol. Les Skylanders liés à la vie sont plus puissants ici. Hé hey, j'ai trouvé Kali. Elle est pas mal. Elle a été capturée par des créatures maléfiques. On doit la sauver. Histoire qu'elle ait une bonne raison de me remercier. Boum! Par ici, ce canon devrait être utile. Si tu montes dans la tourelle, tu pourras tirer sur les serrures. Mais... attends... tu es un Skylander, non? C'est incroyable! J'ai été sauvé par un Skylander! Et par moi aussi, j'ai aidé. Flynn, aérostatier de son état à ton service. Super. Oui, je sais. Ça doit être un moment extraordinaire pour toi de rencontrer le meilleur pilote des Skylands. Je n'avais pas besoin d'aide. J'en faisais exactement ce que je voulais. Mais bien sûr. Oh, c'est ça, oui. Je t'en prie, c'est tout naturel. Arrière! Arrière, monstre! Allons, Hugo, ce sont juste des moutons. C'est là que tu te trompes, Kali. On dirait de bons gros pulls sympathiques et tout, hein? Mais dès que tu leur tournes le dos, ils deviennent de sournoises petites boules aux yeux fixées sur tous tes mouvements, hein? Désolé pour les petites boules, mais on a pu secourir Kali. En fait, c'est le Skylander qui a secouru... Oh, Kali, je t'en prie! Ce n'était vraiment rien. Tu as raison, remarque, mais tout le plaisir est pour moi. Bon, peut-on passer aux choses importantes? Pendant votre absence, j'ai trouvé les vieux plans du cœur de lumière. Les anciens les ont utilisés quand ils l'ont construit. Mais je croyais que c'était toi qui avais bâti le cœur de lumière. Oui et non. Oui, je l'ai dit. Et non, ce n'est pas moi. Le cœur ancien était utilisé pour repousser les forces des ténèbres. Si on peut bâtir un nouveau cœur de lumière, il arrêtera Chaos dans sa tentative pour dominer les Skylands. On pourra alors s'occuper de ces monstrueux moutons. La longue vue nous aidera à trouver les éléments nécessaires pour rebâtir le cœur. Mais il faut qu'on passe ce foyer de ronces. Peux-tu nous aider? Balayer les ronces devrait nous aider à découvrir où sont les sources éternelles dont nous avons besoin. «
Tu as réussi. Non seulement cette longue vue nous aidera à voir les terres éloignées, mais elle peut servir de catapulte à moutons. C'est merveilleux. Je vais vous montrer comment on utilise ce truc. C'est comme un télescope, mais en plus magique. Celle-là est un peu rouillée, mais elle devrait nous dire où nous devons nous rendre. C'est le côté magique. Oui, je vois. La toute première source éternelle dont nous avons besoin. L'air. Le cœur de lumière était alimenté par toutes les sources éternelles. Si nous obtenons la source de l'air, on sera en bonne voie. C'est la forteresse des tempêtes. Le drôme maudit doit avoir retrouvé la source de l'air. Mais quelque chose a mal tourné. Tout le coin a l'air détruit. Mon ballon va avoir besoin de quelque chose. Quelque chose pour traverser la tempête. Tu veux dire une hélice, Jenny? Non, non, ce n'est pas ça. Tu es si mignonne quand tu me fais du plat. Oh, je sais! On a besoin d'une hélice. Ah bon? Vraiment? Bien. Tout le monde sait que le Drow patrouille les docks. Son aéronef d'élite a les hélices dont nous avons besoin. Je vais te dire, Cervela, retourne à ton ballon. Je vais t'indiquer l'emplacement sur la carte avec un gros crayon. Hé! Hey, j'adore les crayons! C'est une mission très importante. Va voir Flynn le plus vite possible pour partir. Écoute, si tu cherches l'aventure, compte sur moi. Mais il faut se préparer pour ça. Si toi ou un de tes amis Skylander a besoin de s'exercer avant de commencer, j'ai quelques défis instructifs à proposer. Viens me voir quand tu veux. Allez, on fonce. Ouais, et deux pour moi. Mais personne ne compte, bien sûr, sauf moi.